Coucou, bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui c'est le blabla. C'est une petite vidéo blabla, je ne l'ai pas fait le mois dernier, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla, au titre vous l'aurez peut-être deviné, hein, c'est assez explicite, ou alors à l'image peut-être, c'est nos supports un petit peu de lecture. Donc on a bien évidemment le livre papier, le livre numérique et l'audiolivre. Voilà. Donc moi c'est les trois supports que j'utilise. Donc j'avais envie de discuter avec vous, je vais donner mon point de vue sur ces lectures, sur ces types de lectures, de comment je les... comment je les aborde, si je les apprécie, lesquels je préfère, et vous, eh bien, vous aurez plus qu'à me répondre également qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous n'avez pas encore essayé, est-ce que vous êtes tenté sans plus. Voilà, donc le tout premier c'est le livre papier, alors je pense qu'on est tous amoureux, nous les passionnés de lecture, les lecteurs en tout genre, on est fan du papier, voilà. On est fan de nos livres, de toutes les découvertes que l'on peut faire, de tous ces auteurs qui écrivent de si belles histoires pour nous embarquer. Alors moi je suis une adepte du livre papier, j'aime avoir le livre papier, j'aime lire du livre papier, j'aime avoir le livre papier dans ma bibliothèque, et jusqu'à très récemment j'avais beaucoup de mal à me séparer des romans que j'avais. Même ceux que j'ai pas aimés sont dans un carton. Ce qui est dommage, hein, en fait, de garder ces romans qui pourraient peut-être éventuellement, si à moi ils ne m'ont pas plus contenté que ça, qu'ils puissent faire le bonheur d'autres personnes. Donc il faut que je révise ce procédé-là, que je travaille avec moi-même. Le livre papier qui peut être prêté, pas prêté, voilà. Donc moi je suis un adepte du livre papier, je préfère le livre papier, mais depuis quelques années, j'ai découvert la lecture en numérique. J'étais contre, je vais l'avouer franchement, j'étais contre. J'ai débuté, c'était pas un procédé de lecture qui me tentait. Je m'étais acheté une tablette, et non une liseuse, une tablette, une Arcos. Et en fin de compte, ça n'a pas fait du tout. Ensuite, j'ai lu sur l'iPad, et j'avoue que je n'ai pas du tout été convaincue non plus. J'ai arrêté ce procédé-là parce que ça ne me convient pas sur les supports que j'utilisais à l'époque. Il y a 3 ans et demi, je me suis acheté ma première liseuse, une Kobo, suite à un cadeau de copine, d'une cagnotte, et d'en faire ce que je voulais. Donc du coup, ben, je me suis dit, ben, peut-être ça serait l'occasion, peut-être, d'enfin m'acheter une vraie liseuse, qui est adaptée mieux au niveau de l'écran, au niveau pour les yeux, au niveau ça fatigue moins. Donc je suis partie sur ce type de lecture, plus en numérique. Donc j'avais une Kobo Aura qui m'a tenue pendant 3 ans. Vous avez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous avez connu mes déboires au niveau de ma liseuse puisque je l'ai cassée malencontreusement sur mon canapé en mettant le pied dessus. Oui, bon, on va pas s'expliquer comment je me suis débrouillée. Je l'ai cassée. Et donc, ça faisait 3 ans et demi que je vivais avec une liseuse. Et aujourd'hui, j'avoue que ma préférence va quand même au numérique de par la légèreté de l'objet, la façon de l'utiliser, je trouve ça très agréable, j'aime beaucoup, c'est hyper léger, je peux me mettre dans toutes les positions, alors pas de connotation sexuelle là-dedans les amis, vous inquiétez pas, dans toutes les positions que je veux, je peux manger et lire en même temps, ce que je fais pas, hein, mais je pourrais. Je peux être allongée dans n'importe quel sens, c'est hyper léger, donc parce que les livres, quand je suis comme ça, ou sur mon canapé, j'aime bien être comme ça, mais des fois je suis comme ça, avec la liseuse, c'est hyper pratique, avec le livre, j'ai beaucoup de mal, surtout les grands formats, qui sont assez lourds. Voilà, donc j'avoue que la découverte de la liseuse, au bout de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, vraiment assidu, hein. Je parle vraiment de là, les 3 années que je viens de faire sont très très assidues. J'ai lu je sais pas combien de livres dessus avant qu'elle tombe en rade, j'étais presque arrivée à 300. J'ai vraiment en 3 ans pris énormément de plaisir à lire sur ma liseuse. Je peux régler l'intensité, je trouve un livre en 2 minutes, je la transporte comme je veux, dans mon sac à main, pas besoin d'esquinter, parce que je suis une fada des livres papier, mais j'aime pas les esquinter.
Donc pour moi, le mettre dans le sac à main, les grands formats, souvent, s'esquintent. Parce qu'il y a d'autres choses dans le sac à main et que des fois, ben, on est pressé, on bourre. Et puis, du coup, on esquinte nos livres. Alors, j'ai acheté des pochettes aussi maintenant qui m'aident grandement à éviter de mettre un coup sur mes livres papier quand j'en transporte. Parce que ça m'arrive quand même encore. Mais j'avoue que ça, n'importe où, j'ai 2 minutes. Les gens ne sont pas obligés de regarder ce que je fais. Il y a en plus une bibliothèque dedans, s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, si on lit en VO, on peut se faire traduire des... Bon, moi je ne lis pas en VO, mais ça serait une occasion aussi de peut-être me lancer, ou il y a un correcteur, enfin voilà. Je trouve que la liseuse m'a changé vraiment la vie, et pourtant j'étais contre, j'étais pas liseuse numérique, j'aime tellement le papier, alors ça ne change pas en fait, je me dis, dans la vie, pourquoi se restreindre à une chose? Pourquoi aimer que... En plus, on le fait dans la vraie vie. Pourquoi aimer toujours qu'une chose, en fait? Donc, du coup, là, c'est un peu le même procédé, quoi, en fait. Moi, aujourd'hui, j'aime tout style. Et c'est là où on va basculer maintenant sur la lecture en audio-livre, en audio. Alors, l'audio, c'est assez particulier. On vous raconte une histoire. Donc, déjà, c'est une voix qui va vous parler. J'avais fait Les Rois Maudits. Le premier tome des Rois Maudits. Alors, il y a, je sais pas combien de tomes, en plus... de Maurice Druon, je crois que c'est Maurice Druon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, j'avais fait Les Rois Maudits, donc le tome 1, et j'avais adoré, par contre, je faisais ça en me baladant, voilà, je trouvais ça hyper bien, alors c'est de l'historique en plus, donc j'avais vraiment été prise, là ça avait bien marché, j'avais fait, donc Harry Potter, ça ne l'a pas fait, la voix ne m'a pas convaincue, ensuite j'ai fait quoi, j'ai fait Outlander, alors c'est une jeune femme qui nous parle, ça passe, mais c'est vrai que c'est longué, parce que bon, Outlander, c'est assez long, hein, de toute façon. Et ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait Clair Obscur et La Déferlante de Lily Aim en audio-livre. Et franchement, la voix, j'ai kiffé. J'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur avec un audio-livre. Voilà, avec ces deux romans, j'ai eu des coups de cœur. Alors, de par l'histoire, je pense, si je l'avais lu en papier. Mais je l'ai fait en audio-livre et la voix masculine de l'histoire, je l'ai adorée. Donc du coup, je suis rentrée totalement dedans. Et voilà. Et donc du coup, je me suis mise à faire plus d'audio. Alors vous avez bien évidemment Audible par Amazon, donc moi j'ai eu des crédits gratuits, donc je me suis fait la saga Les Éléments de Brittany C. Cherry, enfin je me suis fait le tome 2, 3 et 4, pareil, des voix différentes, en plus c'est des voix, il y a deux voix, la voix pour l'homme et la voix pour la femme, et des fois ça ne se fait pas ça. Par exemple dans Outlander, c'est une femme qui vous parle, que ça soit Jimmy qui parle ou que ça soit Roger qui parle, c'est toujours la même voix. Donc ça c'est vrai que ça fait un peu longué. Les Rois Maudits, c'est pareil, c'est une seule voix sur toute la... J'ai essayé aussi le trône de... Game of Thrones, pareil. Là, j'ai abandonné, par contre, parce que c'était un peu longué, mais ça, c'est dû aussi à la saga Fantasy, hein, qui est un peu longue. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, j'essaye de me faire des audio-livres assez fréquemment. Je mets un peu plus de temps parce que je suis plus souvent à mon bureau qu'en déplacement, mais dès que je suis en déplacement, je mets mes petits écouteurs... Et j'écoute des audiolivres. Je trouve le procédé pas mal sur des livres parce que j'ai pas le temps de m'y lancer, du coup, que j'ai pas acheté le roman. Donc du coup, ça me permet, grâce au crédit Amazon, de pouvoir ben, me lancer dans ce type de lecture. Audiolivres, ben, petit à petit, ben, j'en ai fait quand même quelques-uns. Et là, je suis par exemple en train de me faire L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie Esperucci. Ça se passe très bien, pareil, deux voix, une voix masculine, une voix féminine, donc du coup ça donne du dynamisme, on écoute quand même quelqu'un, et forcément on est toujours peut-être distrait aussi par autre chose, parce que quand on lit, on est vraiment dedans, c'est notre cerveau qui fonctionne et qui va balayer de la page, tandis que là on écoute quelqu'un, donc c'est vrai que comme on le fait dans la vraie vie, c'est-à-dire que par moments on peut papillonner un petit peu, donc on décroche. Donc là le fait d'avoir des voix alternées, ben, ça mène du dynamisme et on a l'impression vraiment d'être comme dans un roman. Voilà, donc pourtant pour Clair Obscur et La Déferlante, ça c'était qu'une seule voix et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré. Donc voilà, l'audiolivre, je m'y fais. Je commence à en faire de plus en plus là, cette année, j'en ai fait quand même pas mal. Donc voilà, les trois procédés, hein, en fin de compte, aujourd'hui, je me dis pourquoi me focaliser qu'à un seul? Pourquoi ben, voilà, pas profiter de ces trois supports différents que l'on aborde tout à fait différemment, c'est certain. Chaque type de support, le papier, le numérique ou l'audio, c'est pas pareil, voilà, c'est pas pareil, mais ça me contente, alors peut-être que j'aurai des loupés, mais comme je peux avoir des loupés avec un livre papier, enfin voilà, je pense que c'est trois choses qui en fait font une continuité de mes envies de lecture, de mes besoins de lecture, de mes, voilà, de passer des moments à écouter des histoires ou à lire des histoires, et ça le fait trop bien.
Donc du coup, ça me permet aussi d'avoir plus, on va dire, d'heures au moment où je découvre une histoire grâce à l'audio. Voilà, quand je suis en voiture, etc. Ou là, on ne peut pas lire en conduisant, c'est un peu emmerdant quand même. Hein. Enfin, à vos risques et périls, mais je vous ai... Enfin, évitons. Voilà, donc du coup, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ces trois supports que j'utilise, qui sont complémentaires pour moi, dont je ne peux plus trop me passer parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, et j'avais envie de savoir, vous, est-ce que vous êtes pour les trois, pour pas du tout le numérique et l'audio, est-ce que vous êtes plus numérique que papier, enfin voilà, racontez-moi tout à votre tour, n'hésitez pas à partager avec moi, savoir comment vous procédez, s'il y en a un que vous ne pouvez pas voir en peinture, mais en tout cas moi sur certains, comme le numérique, je suis vraiment, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis comme on dit, et bien j'ai vraiment changé d'avis sur mon approche et sur le plaisir que j'y prends à lire en numérique. Ça n'enlève pas que je suis plus... Enfin, que j'adore le livre papier, mais ce support-là, on va dire, a une facilité et un plaisir tout autant qu'un livre papier. Voilà, donc n'hésitez pas à partager avec moi, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura papotage, vous aura plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en passant. Et puis moi je vous laisse là, je vous dis à très vite. Bisous câlins.